Bonjour les camions, j'espère que vous allez bien. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo, je vais jouer à la série qui est super connue dans le monde, Spin Game, sur Fortnite. Voilà, je vais découvrir ça. Est-ce que je veux faire topping? Hey, telle est la question. Bon, je vais vous le dire de suite, ça n'a pas été un parcours très très facile, ça a été très très compliqué. Mais voilà, nous partons sur le premier jeu et regardez cette cinématique. Waouh! Ça, franchement, celui qui a créé ça, bravo! Bravo à lui, franchement, super! Donc, du coup, voilà, je suis là, je suis tranquille, il y a un petit scénario. Là, je me dis, bon, on va prendre notre temps, on va respirer, on a 2 minutes pour réussir, il n'y a pas de problème, on y va tranquille. Je me dis, je vais me mettre tout sur le côté droit. Les autres, je les connais pas. Ils font leur truc. Je fais mon petit truc. Sangoku en Super Saiyan. Pour se motiver. Les gens me regardent. Oh, je suis parti en retard, mais je vous l'ai dit. On a 2 minutes. C'est tranquillou, bilou. Voilà, déjà, il y a plein de morts déjà. Et il y en a un. Pour vous dire qu'il est arrivé. Il a voulu reculer. Eh ben, la tuer, il a dû tout recommencer. Il a perdu. Voilà, quand je vous dis, dans la vie, il faut prendre son temps. On prend son temps. Regardez, voilà, tranquille. On s'arrête avant, paf, pim, boum. Voilà, moi je serai dans le jeu, je serai tranquille. Moi aussi, 2 minutes. Non, eux, c'était 15 minutes. Voilà, tranquille, regardez, voilà. Hop. Voilà, ça c'est un tour d'étoffe. Regardez, parce que je regardais le temps. Voilà, 1 minute. 1 minute pour faire 10 mètres, ça va, hein? Hop, tranquille, tu vois, voilà, se précipite pas. Voilà, Maïku Sangoku, tranquille au bilou. Hop, voilà, regarde. Tu vois, je veux pas les trucs, sinon je veux perdre. Et là, d'un seul coup, et c'est la victoire pour la première épreuve. Allez, du coup, je fais une petite danse et il y a quelqu'un qui va me rejoindre ou pas. Bon. Voilà. Bon, il y en a qui me regardent. Bon, il s'en fout un petit peu. Voilà, il veut pas danser avec son coucou, il s'effrite. Bon, bah, c'est comme ça. Ah, si! Oh! La danse de la victoire! Et oui, parce que dans cette partie, on a fait que des danses avec les joueurs. Ça, c'était bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est délicat. Bon, après, vous allez vite comprendre que je vais les éviter défoncer. Donc, du coup, on tombe sur la deuxième épreuve. Et celle-là, je la connaissais pas du tout. Heureusement que j'avais regardé bah, des vidéos de youtubeurs, tout ça, un petit peu avant. Et j'avais compris qu'il fallait monter tout en haut. Et pareil, on a 2 minutes. Tranquillou, bilou. On se précipite pas dans la vie. Parce que sinon, on va perdre. Et vous allez vite devoir comprendre que là, il y en a plein qui vont se précipiter. Ils vont tomber dans le vide. Ils vont tout recommencer. Regardez. C'est parti! Bon, moi je suis tranquille, tu vois, parce que je sais qu'il y a des sauts à faire, il y a des trucs, voilà, tu vois, on va pas, parce que si je le perds, après je suis mort, parce que moi je connais pas, je les vois qu'ils connaissent tous par cœur, voilà, tu vois, hop, voilà, tranquillou, voilà, on se précipite pas, allez, encore un petit truc, là j'ai eu peur, par contre, j'ai dit, oh là, je vais tomber, mais finalement, je suis pas tombé, ça va, ça va, ça va, ça va, hop, allez, on monte, on monte, on monte. Et là, voilà, vous avez vu, il y en a qui a voulu se précipiter, il est mort. Allez, là, il y a encore un petit trou. Tu vois, moi, je suis dernier, mais je m'en fous, on a encore 1 minute 10. Bah, 1 minute 15 maintenant. Ouais, bon, j'ai un peu reculé, c'est fait un peu de suspense. Tu vois, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui regardent aussi, il n'y en a pas. Tu vois, ça, c'est gentil, ça c'est des gens gentils. Ça, c'est cool. Hop, et voilà, on arrive au bout, et puis voilà, on est qualification. Qualification pour la prochaine épreuve. Et après la prochaine épreuve, vous savez c'est quoi la prochaine épreuve? Eh bien c'est les biscuits. Bon bien sûr on peut pas lécher, on peut pas faire ça. Donc du coup, on va avoir des épreuves où ça va être tout fin. Et est-ce que je vais tomber sur le rond, le triangle, le parapluie ou... Attends, le triangle. Il y a le triangle, parapluie, le rond et l'étoile. Et l'étoile. Est-ce que je vais tomber... Bon déjà vous savez que je suis pas tombé sur l'étoile parce que je m'en souviens plus. Est-ce que je suis tombé sur un facile? Est-ce que je suis tombé sur le compliqué? Est-ce que j'ai eu la chance? Ou est-ce que j'ai eu une malchance? Hi. Je vous laisse un peu de suspense. Ouais, bah, en attendant, Sangoku, il s'est éclaté à avancer, tranquille.
Voilà, on attendait, tranquillou-bidou. Et là, regardez, voilà, il se fait des petites danses. Moi, je découvre des. En fait, là, j'étais en train de découvrir des danses que j'avais dans mon répertoire. Voilà, je savais même pas que Sengoku faisait les ongles. Bon, maintenant, c'était une légende. Ça y est, cette légende est descendue. Du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui dansaient. Du coup, je me suis dit, allez, je danse avec eux. Tu vois, je prends une danse au hasard. Voilà, tranquillou. Tu vois, on était là, on s'éclatait, on était bien. Tu vois, voilà, en plus, c'est la prochaine épreuve. Et la prochaine épreuve, elle arrive dans 3 secondes. J'ai même pas le temps de sortir les popcorn. Alors, allez, à votre avis, vous avez 15 secondes pour me dire en commentaire quelle forme je suis tombé. Rond, triangle, étoile ou parapluie. Et si vous connaissez ma chance légendaire, eh ben je suis tombé sur le parapluie. Eh ouais, oula, je me suis dit je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Je suis dans la merde complète. Mais au final, ceux qui sont tombés sur le triangle, ils doivent être contents quand même. Tu vois, voilà, tranquille. J'avais 1 minute 30, je crois, tout comme ça. Voilà, faut pas se précipiter parce que sinon, faut tout recommencer. Voilà, j'ai pas envie de tout recommencer. Donc, à la cool, hop, hop. Voilà, tu vois. Voilà, tranquille ou bilou. Voilà, tu vois, hop. C'est simple. On tourne. Et on tourne. Et on tourne. Et on tourne. Voilà, on se précipite pas. Regardez, je suis tombé sur le plus compliqué. Alors, en plus, je sais pas si on l'entend, mais derrière moi, il y avait quelqu'un qui me suivait. Alors, j'avais un petit peu le stress parce que, voilà. Bon, après, il peut passer au-dessus de moi, donc il s'en fout. Mais voilà, j'ai reçu le parapluie. Et ça, c'est magnifique! Bon, prochaine épreuve, vous le savez, c'est on se démonte. Voilà, là j'ai vu qu'il lui, tu vois, je savais qu'il était pas très net. Je me suis méfié, je me suis barré. Bon, finalement, je suis revenu sur mes pas et j'ai attendu le compte final. Je les ai tous vus se faire défoncer et voilà, on est tranquille, tu vois. Je suis revenu sur mon petit machin. Là, j'ai vu qu'il y en a un qui me regardait là bizarrement. J'ai dit ouh là là, faut que je fasse attention. Au final, voilà, on tire sur la corde. Alors là, le problème, c'est que je savais pas quel bouton il fallait appuyer. Moi, je voulais gagner. Je savais pas quel bouton il fallait appuyer. Et vous allez vite comprendre. Ben, quand j'ai commencé à appuyer sur le bon bouton, eh ben, mon équipe, on n'était pas si mauvais que ça. Eh oui. Regardez là, en haut à gauche, là. Eh oui, on est l'équipe rouge, tranquillou. Voilà, dans 5 secondes. On y va. 3, 2, 1, let's go. Et là, hop, je savais pas. Là, on était derrière. Et de seul coup, Valcou appuie sur le carré. Il appuie sur le carré. Et là, regardez. Est-ce qu'on a rattrapé les bleus? Est-ce qu'on a rattrapé les bleus? Ben oui, on a rattrapé les bleus. Les bleus sont tombés. Allez, bye. Voilà. C'est comme ça. Et regardez, en plus, on était moins, je crois. Je crois qu'on était moins. On était un joueur de moins en plus. Eh ben finalement on est passé. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est Allez, bon. YouTube, Allez, prochaine cassez-vous! épreuve. Eh oui, si vous avez Cassez-vous, déjà fait le jeu sur Fortnite, vous le savez, cassez-vous! ceux qui ont regardé la série, ils le savent. Eh ouais, cette épreuve. Aïe 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 aïe. Est-ce que Malco a eu les couilles? Est-ce qu'il a eu les coronets? Est-ce qu'il a eu les coronets? Eh ben si je l'ai mis la vidéo, c'est que. J'ai pas eu. Alors du coup là, je me suis dit, on va lancer les jouets. J'avais pas compris que la game n'avait pas commencé encore. Alors voilà, bon. C'était voilà. Bon, l'autre il avait dégagé le truc. Voilà, hop, j'ai pas compris. Bon, je joue au football. Alors là, c'était parti. Le jeu est parti. Alors là, je sais pas, il y en a un qui. Paf. Alors du coup, j'ai dit, attends, je vais lancer des balles. Voilà, je vais lancer la balle. Bon. La balle est passée. Du coup, tout le monde est passé. Du coup, je me suis dit, bon, je vais suivre. Mais j'ai attendu un petit peu. J'ai attendu un petit peu. Parce que vous allez vite comprendre. Et là, j'ai vu que le truc, il avait rebondi. Mais je. Voilà. Et je sais pas pourquoi les gens, ils ont tous voulu aller à droite. Et là, qui va avoir les coronesses? Qui va avoir les coronesses d'avancée? Qui va avoir les coronesses d'avancée? Est-ce que c'est Maïkou? Ou est-ce que c'est les joueurs? Alors, regardez, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Là, je me dis, bon.
Il reste une minute. Allez, hop. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis allé là. Ouais. J'ai eu le coronet. Maintenant, à vous vous débrouiller. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Voilà. J'ai fait le truc. J'ai fait mon taf. Maintenant, c'est à vous. Si vous tombez, tapez-vous. Voilà. Moi, c'est ma première game. Je suis arrivé jusqu'ici. J'étais content. Bon, j'ai eu le coronet de passer au moins une fois. Bon, maintenant, tu te bouges le cul. Ouais, vous bougez le cul. Regardez. Parce qu'il était derrière. Hop. Allez. Je dis maintenant, on va voir qui va avoir les coronets. Et en plus, le pire, c'est que j'allais me lancer. J'allais me lancer. À 10 secondes de la fin. J'ai dit, je veux faire un saut. Voilà. Deux sauts à 10 secondes. L'autre, il... Bon, ben là, voilà. Parce que là, il voit que je lance des jouets. Là, je savais pas où fallait. Mais... Je me suis dit... Allez les gars, allez 20 secondes et regardez, il restait 20 secondes, personne bougeait, et vraiment personne, il n'y en a qui a bougé. Et en plus, comme je vous ai dit, j'allais sur la gauche et après sur la droite, donc j'aurais dû le faire depuis le début. Mais en attendant, j'ai bien fait d'attendre parce qu'on n'est plus que 3 en finale. 3 en finale. Je suis dans les 3 derniers les gars. Première partie, je suis en finale et on n'est plus que 3. Voilà, ça... Bon, maintenant, est-ce que je vais gagner? Bon, bah allez, tu l'as vu dans le titre de vidéo, oui, je vais gagner. Mais comment je vais gagner? C'est ça la question. C'est ça, est-ce que j'étais fourbe? Est-ce que j'étais malin? Est-ce que je suis allé au front quand même? Merde. Ah ben ça, vous allez comprendre que j'ai encore eu beaucoup de chance dans cette partie. Alors regardez, il y en a un qui s'est mis là, moi je me suis dit, je me mets à gauche. Lui, je sais pas, il bougeait un peu bizarre, lui, là. Pourtant, on était que 3. On était que 3. Parce que d'habitude, quand il y en a beaucoup, quand j'ai vu les vidéos youtubeurs, c'est normal. Bon, là, ils sont en fight. Moi, j'ai dit, allez, j'y vais. Hop, j'ai éliminé un. Là, j'ai pas compris pourquoi j'arrivais pas à l'avoir. Et de ce coup, j'ai dit, allez, je recule et j'avance. Et voilà, c'est la victoire finale, Camélo. Je veux des likes, je veux des commentaires, je veux dire des GG. Allez, maintenant, la suite au prochain numéro. Avec Sangoku qui sait. Voilà.